Bonjour à tous et bienvenue sur GC Compare. Comment rembourser le découvert? Le découvert est un crédit qui est donné par la banque, prêté du moins par la banque sur 30 jours et que vous êtes obligé de rembourser. Mais comment faire pour rembourser le découvert quand on a un découvert et que c'est le casse-tête de chercher des solutions pour le rembourser? Le découvert peut vous apporter des frais si vous avez des frais qui sont associés à ce découvert, mais aussi peut vous apporter des frais si vous tombez hors découvert. Comment faire pour rembourser ce fameux découvert? Je vous invite déjà à voir la capacité de remboursement de votre découvert, si vous est possible de le rembourser, en créant tout simplement un plan de budgétisation. En créant ce plan de budgétisation, vous allez pouvoir directement voir ce que vous dépensez dans vos factures et ce que vous dépensez dans votre vie quotidienne et pouvoir faire des économies sur ce que vous dépensez le plus. Le fameux découvert, il faudra bien savoir qu'il faudra mettre une petite somme supplémentaire sur votre budgétisation réservée quasiment au découvert, mais il ne faudra pas se presser de le rembourser. De le rembourser rapidement car ça pourra quasiment faire un trou dans votre trésorerie les prochains mois suivant vos ressources. Rembourser votre découvert, il faudra bien se mettre à l'idée qu'il faudra le rembourser en plusieurs fois, faire des économies, faire des sacrifices, se priver quelques mois, rembourser son découvert, par exemple mettre en place un crédit auquel vous ajoutez une petite somme de 50 euros par mois si vous avez un découvert de 500 euros. Pendant 10 mois, vous mettez 50 euros et ce qui fera 500 euros. Avec ce plan budgétisation que vous aurez mis en place et cette partie de remboursement que vous aurez opté selon vos moyens, il faudra ensuite vous rendre à votre banque, rencontrer votre banquier et lui proposer ce plan de budgétisation. Ce plan de remboursement qu'il devra obligatoirement prendre en charge. Le banquier devra, dans la loi prédite dans la banque, mettre en place ce fameux découvert sous forme de crédit et mettre en place les moyens de remboursement que vous êtes dans la capacité de rembourser. Le découvert, comment faire pour éviter ce fameux découvert et être dans la spirale du rouge, comme on l'appelle cela? Eh bien moi, je vous invite, pour éviter d'être dans le découvert, de vous mettre de l'argent en livret d'épargne, en épargne de précaution. Ce qui est plutôt actuellement ce que nous donnons tous, c'est de mettre en place de l'épargne de précaution. Mettez 5-10 euros si vous ne pouvez pas faire autrement, mais si vous êtes en capacité de le faire, mettez au moins minimum 50 euros, ce qui vous donnera un point de précaution plus conséquent et vous serez quitte d'être dans le découvert. De vous trouver un job en plus de votre travail ou bien tout simplement de faire de la vente, vendre des vêtements, des objets ou bien de prendre toute partie qui vous récupère de l'argent pour pouvoir éviter ce fameux découvert. Mais je rappelle que par la loi qui est prédite par les banques et qui est donnée aussi par les banques en ligne ainsi que les banquiers vous le diront, la partie des 30 jours étant écoulée, vous ne pouvez donc pas rembourser votre découvert. Vous avez jusqu'à 60 jours pour pouvoir faire en sorte d'être là et de trouver une solution pour rembourser votre découvert. Ainsi, passé ce délai, le banquier devra revenir vers vous, vous demander si vous êtes en capacité de rembourser. Si vous n'êtes pas en capacité, vous pouvez trouver un compromis comme je vous ai cité dans cette vidéo. Mais si vous êtes dans la capacité de le rembourser, de voir s'il est possible de le mettre en crédit et de trouver cette solution à partir du plan de budgétisation, voir de quoi vous êtes apte à pouvoir rembourser. 50 euros, comme je vous ai dit, si vous avez un découvert de 500 euros. Le banquier sera donc dans l'obligation de prendre en charge que vous pouvez mettre 50 euros sur 10 mois pour rembourser votre découvert de 500 euros. Et ensuite, il vous fera signer un petit plan auquel il passera votre découvert quasiment à crédit. Allez-vous pouvoir continuer à bénéficier de ce découvert? Le banquier sera dans l'obligation de suspendre le découvert et de voir après le remboursement de celui-ci si vos finances ont évolué et si vous êtes dans la capacité de réacquérir un fameux découvert. Si ce n'est pas le cas, vous n'aurez plus de solution que de vous retourner, comme je vous ai dit ici, dans un plan d'épargne de précaution et de mettre de l'argent
dès à présent, si ce n'est pas déjà fait, pour pouvoir dans les mois à venir vous dégager des fonds assez rapidement et afin de ne pas être dans le fameux découvert et dans la spirale de ne pas pouvoir rembourser. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'oubliez pas de vous abonner, surtout de cliquer sur la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Le petit like et les réseaux sociaux. Je serai ravi de répondre à toutes vos questions. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.